Ouais, la VOD, allô? Des bisous. On part faire un Diablo 2, du coup, bah, je me suis dit, vas-y, on emmène. On vous emmène pour la mini VOD. C'est pour la mini VOD, la VOD normale, ils auront tout déjà. Ils auront les trucs qu'on a fait avant, on a fait quelques nergis. Mais comme j'ai mis hier une VOD nergis, je me suis dit, bon, on va pas leur remettre un nergis, ils vont se dire, oh, il me prend pour un couillon. Naruto. Du coup, là, un petit Diablo, c'est bien. Diablo classique en plus. Diablo Snow, on a fait un hier, remarque. On est même sur la VOD. Mais c'était pas sur la mini VOD. Les mini VOD qui n'ont toujours pas de nom. Voilà, s'il y a un mec qui passe sur YouTube avec des idées de nom pour les mini VOD, mets la cloche. Il a dit, mets la cloche, il peut la mettre un commentaire comme first. Comme first and nude, c'est what the fuck. Merci Chococo, il dit les choses importantes. Gros consommateur de spaghetti volo. C'est beau. Exactement, bah là c'est le moment, si vous voulez faire coucou à YouTube, au mate de YouTube, notamment le gars qui nous a laissé un commentaire, si jamais il passe par là mec, la bise. Merci d'avoir laissé un commentaire. Gentil. Je pense que c'est lui qui a mis le post bleu aussi, je pense. Incroyable les mates de YouTube. Des fois, il y a des mecs bizarres de YouTube qui arrivent hein, quand même hein, dans la commu, hein. Mais bon. Autant que le V, mettez-vous, il a dit. Ah, des fois, là, ils sont un peu. C'est ça, c'est un peu. Bizarre l'ambiance. Mais on avait pas mal des gentils. Juste, quand il y a des mecs de YouTube qui passent sur Discord, des fois, t'as l'impression ils sont dans la section commentaires de YouTube. Et ils ont oublié que c'est Discord et que c'est de la discussion et tout. Ils lâchent des trucs en mode. Bah. Non, pas aussi direct, on discute, c'est vivant, tu vois, tranquille. T'es pas en mode, ouais, j'ai pas aimé la vidéo. Un gars qui m'essaye avec le timestamp qui va bien. Alors, si jamais il y en a un qui passe sur la mini VOD, n'hésitez pas à mettre un Saint Nunes. Je ne l'enlèverai pas, il sera pour Chococo. Le premier qui le met, GG. Les autres, j'enlèverai, hein, mais. Non, mais tu crois vraiment qu'il y a un mec qui va faire ça sur la VOD? Que nous, y a pas des milliers de vues par VOD. Hein. De surbas, la VOD est trop longue. Ah, hier c'était long, j'ai mis une VOD de 40 minutes. T'es sur Discord, mais t'as jamais rien dit. Mais faut pas avoir peur, hein, Naruto, fais-toi plaisir. On est gentil sur Discord. Comme ici, c'est la même ambiance qu'ici. Sinon, ce sera toi, on verra. Tant pis, il va aller sur la VOD, je promets ça. Aïe. Ah, sois poli. Est-ce que je peux le stun? Oh. Oh, Freeren, t'as été déco? No, Freeren. On en refera un pour Freeren. Mais du coup, le stun, il passe pas. Non. Il est... Oui, il est bugué, Freeren est déco. Du coup, là, bah, on attend que ça se relance. C'est pour vous la VOD. Là, vous voyez ce que ça fait quand quelqu'un est bugué sur Monster Hunter World. J'étais sur la... Oh, cette dinguerie. C'est ça, j'y fais. Bah alors. Et même les Questodons ils sont en stand-by, regarde les Questodons invincibles. Je peux charger mon épée tant qu'à faire. Ok, ok, bon, on refait ou on tue ou comment? On peut refaire la quête. Il faut que quelqu'un d'autre que Freeren poste en fait. Mais il est bugué le bousin. Ça y est, il a compris. T'arrives? Ok, on va refaire alors.
Ah, c'est toujours config pour du multi là? Ah ouais, je pensais que c'était. C'était scale down du coup, avec le bug. Mais il m'a tapé vraiment pas fort du coup pour du scale multi. La magie de Ward. Il a dit n'hésite pas à commenter YouTube sur cette coupure. On dirait un commentateur d'émission au Chococo. N'hésite pas hein. Du reste j'ai un doute pour le coup, ok. Les PV sont les mêmes. Ah ouais bah non. C'est bon, Freeren est revenu, on peut y aller. Bon la VOD, vous avez vu ce que c'est Monster Hunter World quand ça bug. Si un jour vous jouez avec un mate, vous le saurez, s'il est déco, tapez pas le mob. Regardez comment elle est vénère Natalia. What the fuck? Avec un tracker HP, je te confirme que ça bouge pas. Ok. Ah bah oui, du coup, ouais, effectivement, les stats, à mon avis, il y a peu de chances que ça bouge aussi, ouais. C'est un truc de fou quand même. Chaque fois que je mets ces commandes. Fais-toi plaisir, Chococo, ouais. Toi, la VOD, tu peux y aller. Hein. Les gens de YouTube seront contents de te voir. Ils font, oh là là, mais c'est un mec de là-bas. Quand elle a vu l'URSSAF, c'est un peu ça. Ouais. Qu'on lui a annoncé l'URSSAF. Les sourcils froncés et tout. Mais attends, je le poste. Je le poste comme ça, ça buggera pas. Normalement. Comme ça, normalement, ça devrait être stable et tout. Ouais, c'est le référencement, c'est vrai. Les commentaires YouTube, c'est pour le référencement. Commentaires, pouce bleu et tout. Et le watch time. Le watch time aussi, c'est important. Mais bon, c'est pas les trucs sur lesquels nous on fait vraiment attention, hein. On est là. Mais les petites VOD pipou. C'est compliqué, hein. YouTube c'est complexe. Hein. Sachez-le, là, vous qui regardez sur YouTube, vous êtes dans le mode complexe dans l'internet, là. Hein. Avec les algorithmes de zinzin et tout. Hein. Très important, bah ouais. Et peut-être un jour les shorts, hein. Eh bah ouais. On fera un shorts déco de Freeren, et puis voilà. Ça ira vite. C'est pour. On arrive, déco, fini. Qui est lui? Mais short, c'est compliqué à faire. Sur MH, il y a des moments où ça doit passer. Sur Mario Kart, ça va, c'est un jeu où les shorts ça colle bien. Je pense Party Animals aussi. Mais les autres jeux, c'est vrai que. Les assets. Ah, il y a des assets pour ce genre de choses, je sais même pas. Ça ressemble à quel genre de truc les assets? C'est genre pour savoir quel format d'image et tout ça, peut-être? Ah tu m'en fais. Ah bah je sais pas trop. Je te dirai Pilou, je te dirai. Attends, t'as déjà du taf en plus. Je regarderai déjà. Pour l'instant je suis en mode jeu chill. Best of ça te tente pas. Ouais les best of ça me tente pas parce que c'est long à faire. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un best of quand on est aussi peu que nous? Je sais pas. C'est pour la commu, ouais bah ouais. Pour les souvenirs, oui c'est vrai que pour les souvenirs par contre on a les mini VOD mais ouais. Ouais c'est ça les clips c'est vraiment best of matériel de fou ouais. Ouais. Un best of vite. Non mais attendez Pilou il a du taf. Laissez-le tranquille hein. Payez l'URSSAF. Au moins un truc drôle de faire mes VOD. Je sais pas. J'en sais rien. Mais là les VOD que je mets sur YouTube c'est des mini VOD surtout. En fait c'est plus ou moins un condensé de condensé, tu vois. Genre imagine je joue à MH, bah, je vais prendre un segment de 20 minutes à peu près pour en faire une mini VOD et comme ça les gens. Ça, bah ils peuvent juste bouffer un tout petit peu de la VOD et voir s'ils ont envie de checker la suite ou pas. Ils goûtent les VOD. Avec les mini VOD. Mais parce que moi j'aime bien ce format là. Stun le. Ouais, stun, bah oui.
Attendez. On voit le stun là, on voit le stun. Mais par contre sur Mario Kart, Party Animals et tout, ouais là Chococo, on vit des choses hein. Ça avec Ketonk, Chubuk, Pilou, Le Ruing, Arta. Voilà. On vit des choses hein, c'est intense hein. Vraiment des jeux à best-of. À best-of et shorts. Ça demande du taf par contre. Ouais c'est ça. C'est ça Chao. Quand tu vois que même des gros streamers du type MB tout ça au niveau des best-of quand il en parle des fois t'es en mode ah ouais ça a l'air d'être quand même une sacrée organisation hein. Avec leur monteur et tout ça. Alors imagine tu fais tout solo. Mais c'est un vrai taf hein, à côté hein, de toute manière. Clairement. Moi je peux faire des best-of Balek mais... Si tu mets bout à bout... je prends des trucs, je colle comme ça, Balek. Il a pris sa retraite? Ah bon? Ah bon? Je savais pas? Mais c'est une vraie info, il est... Quel âge le monteur? Il sait... C'est bon, j'ai stacké les sous. Je m'en vais. Ton ancien, ah ouais, putain la vache. Il a stop le montage, ok ok. Il gagnait plus assez, il s'est dit faut que je m'oriente ailleurs ou c'est juste il s'est dit bon j'en ai marre, c'est fait le tour. Ouais, tu me diras tu fais des best-of c'est pareil en termes de contenu vidéo t'en manges tellement. Je rendrais ouf moi. Il était trop fort en plus. Aïe. Ah vous avez les best-of d'Antoine Daniel aussi? Ah bah du coup les deux ils se sont dit bon bah merde alors. Ouais le père dragon qui est arrivé dans le fiac là. C'est quelque chose. Je crois que Atomium il gère les sorties de vidéos pour MB. En tout cas à une époque il le faisait. Et bah, pour après pour tout ce qui est montage et tout je sais pas du tout comment il faisait. Ça me faisait rire d'ailleurs quand je l'entendais parler de ça, je me disais ah ouais Atto il stream, il fait plus, il fait tous ses trucs à lui, plus stream, plus, plus gérer la chaîne Twitch. Multitâche. Ah, tu voulais le DM pour les montages? Bah, je pense que tu peux toujours le DM pour lui poser des questions si t'as envie. Puis, genre ouais, des conseils machin. Ah, pas accès, ouais, d'accord. Il vient de nous lâcher un vieux rôle là, le Diablos. Il a plus de cornes, du coup, il tape moins fort. Je setup le stun avec les capsules. Ça stun vraiment bien ça. Hop là. Oh les capsules et tout qu'on lui a mis dans la tête hein. Ça a bien stun hein. Je reprends tu vois. Je savais pas qu'il était connu le monteur de MV. Dinguerie ça. C'est vrai qu'il avait des best-of qui étaient cool. Les anciens que je regardais en tout cas j'aimais bien. Même s'il y a énormément de personnes qui aiment bien consommer les vidéos de MV d'une traite, genre quand ils jouent à Isaac ou à FTL, même pas de montage dessus, hein, juste en mode bah vas-y. Je vais me mettre la game de 60 minutes. Je vais me prendre une heure dans la gueule d'un coup là. Y'a plus? Y'a plus les cailloux? Ouais vas-y, Link a raison. Link! Link! Ah merci Pilou, merci pour les liens.
Toi typiquement. Ah voilà. VOD de 4 heures. Ah c'est moi. C'est moi la VOD de 4 heures là. Il y a tout. Multitâche la VOD. À une époque, je me disais, ce que je devrais faire, c'est genre, imagine, je joue à MH. Je lance YouTube. Comme ça, ça fait une VOD MH. Et au moment où je vais changer de jeu, je coupe le live sur YouTube et je relance. Et du coup, les quelques personnes qui passent sur YouTube, ils vont être en mode, mais il nous a close le live à la gueule. C'est horrible. Du coup, je le fais pas, je préfère faire mes mini VOD et les gens, s'ils aiment bien ce qu'on est en train de raconter, ce qu'on est en train de faire, ben, ils peuvent aller voir. Voilà d'ailleurs, les gens de la mini VOD. Là c'est beau, vous avez une bonne mini VOD, c'est 15 minutes, c'est bien, vous pouvez tâter le terrain, prendre la chaleur et voir si vous avez envie de venir, en plus vous avez les conneries de Chococo avec CNews et tout ça. Du coup des bisous, et puis nous on continue de faire un ou deux trucs et puis de toute façon après voilà on va y aller. Mais si vous voulez voir l'énergie qu'on a fait avant et ce qu'on va faire après, si on fait encore des trucs là, n'hésitez pas, la VOD est à côté là, bisous. Dudes ouais.